vais le mettre tout de suite. Un, deux. T'as faut que tu pèses dessus. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique du 12 avril 2022. Écoutez un petit peu, en quelques points de résumé avant de commencer l'assemblée. Ce soir, vous savez qu'on a, passé à travers un processus de consultation publique. Donc, plusieurs règlements ont dû être amendés. Et ce soir, on va l'entériner. Mais je vous rassure, les commentaires qui ont été passés par les citoyens ont été pris en considération. Et il y a certains règlements qui ont été amendés, d'autres retirés, et certains vont être aussi retardés à une autre consultation publique pour être sûr de mettre toutes les précisions qui ont été proposées par les citoyens. De plus, on était en consultation publique la semaine passée pour un nouveau règlement, quelque chose d'assez innovateur. Vous savez qu'au niveau de notre municipalité, on est très conscient. On a un milieu naturel et on veut conserver nos ressources. Et la ressource la plus précieuse que tout le monde chérit, c'est l'alimentation en eau potable. Déjà là, plusieurs de nos citoyens ont des problèmes d'alimentation en eau potable via le puits artésien. Et c'est pour ça que le projet de règlement 993-09-05 va être adopté ce soir, qui dit principalement que les promoteurs et ceux qui développent des terrains, ceux qui développent plus que 5 terrains, vont être soumis à fournir, en plus des études de drainage et d'impact environnementaux, vont devoir fournir une étude hydrogéologique prouvant que la nappe phréatique, l'aquifère, est capable de fournir le nombre de résidences qu'ils proposent de construire. Et par la suite, il y aura une étude qui va se faire sur 2 ans subséquents pour être sûr que l'aquifère va être capable de fournir l'eau nécessaire pour les résidences de futurs projets. Donc, je rappelle, c'est un projet de règlement qui est innovateur, qu'on met en place ce soir et que les contracteurs ont été mis au courant. On a fait une consultation publique la semaine passée pour eux. Et je vous dirais que ça ne fait pas toujours des heureux, mais de notre côté, on est certain de ce qu'on met en place et on le fait pour le mieux et pour la pérennité de la ressource pour tous. Donc, sans plus tarder, on commence l'assemblée de ce soir par le point 1, administration affaires courantes. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Et je seconde. Merci. Point 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022. Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2022 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3. Adoption de la liste des déboursés. Je propose d'approuver le paiement de la liste des déboursés pour la période du 9 mars au 12 avril 2022. Au montant de 1 524 120 $ et 70 sous, tel que soumis par le service des finances. Et je seconde. Merci. 1.4, maintenant, dépôt des rapports d'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers de 2016 à 2020. Alors, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier des rapports d'audit de conformité effectués par la Commission municipale du Québec portant sur la transmission des rapports financiers de 2016 à 2020. Merci. 1.5. Dépôt du rapport d'activité du trésorier d'élection pour l'exercice financier 2021.
considérant que conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier doit déposer au conseil municipal un rapport de ses activités pour l'année précédente et le transmettre au directeur général des élections du Québec. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt du rapport du trésorier pour l'exercice financier 2021. Merci. 1.6 maintenant, programme de contribution de la taxe sur l'essence, la TEC 2019-2023. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2023. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leur ministre, aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondant une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, donc responsable de rien, que la municipalité approuve le contenu autorisé et autorise l'envoi aux membres de la programmation de travaux numéro 2, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le MAM de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 2 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Et je seconde. Merci. Juste à titre d'information, le programme de la TEC, c'est la taxe qui est prélevée sur l'essence. Et en fournissant un rapport au ministère, on peut recevoir la contribution pour les appliquer sur des travaux d'immobilisation, principalement sur les routes. Donc, c'est une partie du financement des travaux routiers qu'on fait à chaque année. 1.7, vente pour défaut de paiement de taxe 2022. Considérant le dépôt de la liste des arriérages de taxes pour l'année 2020, considérant que conformément à l'article 1038 du Code municipal du Québec, la municipalité peut enchérir et acquérir les immeubles situés sur son territoire qui sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires. En conséquence, je propose d'autoriser la trésorière, Mme Stéphanie Aymon, ou en l'absence de cette dernière, la greffière, Mme Marie-Ève Huneaux, à offrir pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte, le montant des arriérés dus à la municipalité et à la commission scolaire sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères pour non-paiement de taxes à la MRC de la Rivière-du-Nord, qui aura lieu le 15 septembre 2022. Je seconde, M. le maire. Merci. 1.8 maintenant. Acquisition du logiciel de la suite financière SFM de PG Solutions. Considérant que le logiciel comptable actuel de la municipalité, PG Megagest, ne répond plus aux besoins de la municipalité, considérant l'offre de service reçue de la firme PG Solutions Inc. pour l'achat du logiciel SFM, incluant les frais de service professionnels, considérant les dispositions de l'article 938, alinéa 1, paragraphe 6A du Code municipal du Québec, permettant de soustraire à la procédure d'appel d'offres l'acquisition du logiciel et la signature du contrat de maintenance. En conséquence, je propose de procéder à l'acquisition de la suite financière SFM auprès de PG Solutions, d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière à signer pour et au nom de la municipalité,
l'offre de services et tous les documents nécessaires à la migration vers la suite SFM, d'affecter un montant de 140 000 $ pour l'acquisition des licences et des services professionnels, d'affecter un montant de 5 000 $ pour l'acquisition des licences SQL, de financer ces dépenses par une affectation du surplus accumulé et d'imputer les dépenses aux différents postes budgétaires désignés. Je seconde. Si. 1.9, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'achats regroupés. Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités ou MRC ou régies intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, considérant que la municipalité désire se joindre à ce regroupement, considérant que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, considérant que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022, en conséquence, je propose que la municipalité confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année sur une période maximale de 5 ans. Que la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à l'appel d'offres. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. Et que la municipalité s'engage à payer à l'UMQ des frais de gestion de 1,15% des primes totales versées par la municipalité. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.10, appui au projet de relocalisation du musée d'art contemporain des Laurentides. Alors, considérant que le musée d'art contemporain des Laurentides fait la fierté des citoyens des Laurentides par la qualité de ses expositions et de ses activités éducatives et culturelles, considérant qu'au fil des ans, le musée a acquis une notoriété qui en fait une institution muséale reconnue et respectée à travers le Québec, et plus particulièrement les Laurentides, considérant que le Musée d'art contemporain des Laurentides souhaite relocaliser le musée, et ce depuis plus de 15 ans, considérant que les conditions ambiantes à l'intérieur du bâtiment du Vieux-Palais représentent un enjeu insurmontable pour la conservation du patrimoine artistique, considérant que la mission du musée ainsi que sa vision de développement sont incompatible avec sa localisation actuelle, considérant que la Ville de Saint-Jérôme a réitéré son soutien au projet de relocalisation du Musée d'art contemporain des Laurentides, suivant sa présentation du 22 février 2022 à la mairie, aux représentants de la Commission culturelle et à la Direction générale. En conséquence, je propose d'appuyer le Musée d'art contemporain des Laurentides dans sa démarche de relocalisation. Et je seconde. Merci. 1.11 maintenant. Ajout d'un arrêt à Saint-Hippolyte pour le transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant que le service de transport adapté collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord desservant le territoire de Saint-Hippolyte, considérant la nécessité d'ajouter un point d'arrêt additionnel pour les utilisateurs de ce transport, considérant qu'une demande citoyenne pour l'ajout d'un point d'arrêt a été faite. En conséquence, je propose d'ajouter un point d'arrêt à l'intersection du chemin des Hauteurs et de la rue Villeneuve. Et je seconde. Pour votre information, le TAC, c'est un service collectif de transport. On,
Beaucoup de gens ne l'utilisent pas, malheureusement. C'est un moyen qui est économique pour se déplacer entre ici et Saint-Jérôme. On incite les gens à l'utiliser. Le but, c'est d'avoir le plus de monde possible dans un taxi. Donc, c'est un maximum de 3, mais quand même, pour une personne par taxi, c'est un coût. C'est le même coût s'il y a 3 personnes dans le taxi. Donc, c'est le fait de rajouter des points d'arrêt, ça ne change pas notre contribution, ça ne coûte pas plus cher, mais ça dessert plus de population. C'est le but visé. Est-ce qu'on a un secondaire? Oui, j'ai secondé avant le commentaire de mon collègue, mais j'ai peut-être été vite sur la gâchette, je m'en excuse. Je re-seconde. 1.12, déplacement d'un arrêt à Saint-Hippolyte pour le transport adapté collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant le service de transport adapté collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord desservant le territoire de Saint-Hippolyte, considérant que l'arrêt numéro H743 n'a eu que 2 réservations au cours de l'année dernière, considérant que cet arrêt est positionné à un endroit problématique pour la sécurité des usagers, considérant la nécessité de déplacer son point d'arrêt pour assurer la sécurité des utilisateurs de ce transport, considérant une demande citoyenne pour l'installation d'un arrêt le plus près possible du nouveau centre IGA, considérant l'autorisation de M. Yves Saint-Onge pour l'installation de l'arrêt dans le stationnement du IGA, en conséquence, je propose de déplacer le point d'arrêt numéro H743, présentement situé à l'intersection de la route 333 et de la rue Thériault, et de la positionner à l'arrêt à l'intersection des entrées du stationnement du nouveau IGA. Et je seconde. Merci. 1.13 maintenant. Renouvellement de la gratuité pour les étudiants et les aînés pour le transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Considérant le service de transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord desservant, en fait, qui dessert le territoire de Saint-Hippolyte, considérant que le conseil municipal désire encourager le transport en commun et favoriser l'accessibilité, en conséquence, je propose d'accorder la gratuité pour l'accès aux services de transport adapté et collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord aux étudiants ainsi qu'aux aînés. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Je rappelle qu'on offre la gratuité justement pour que faire connaître le service et que nos étudiants puissent en profiter. Et passez le mot. Allez sur le site du TAC MRC de la Rivière-du-Nord et vous allez voir toute l'information nécessaire pour utiliser le service de transport en commun. 1.14, semaine de la santé mentale et de l'Association canadienne pour la santé mentale. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale vise à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie du quartier. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. En conséquence, je propose de proclamer la semaine du 2 au 8 mai, semaine de la santé mentale, d'inviter tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Et je seconde, et si je peux me permettre un petit ajout, j'invite les citoyens à prendre connaissance d'un programme qui s'appelle le Réseau d'éclaireurs en santé psychologique. C'est une initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux
Puis c'est mis en branle dans la région par, excusez-moi, là, c'est les acronymes, par le Centre intégré de services et de santé et de services sociaux des Laurentides. C'est une brève formation en ligne que j'ai faite. Moi, je suis un éclaireur et pas le toit. Merci beaucoup. Brève formation en ligne. Ils font vraiment. Ils m'appellent à chaque mois, savoir ça va-tu bien et tout. Puis le principe de ça, c'est pas de former des intervenants. C'est juste de former des gens qui gardent l'œil ouvert dans notre entourage, milieu de travail, voisinage, famille, de déceler des signes que quelqu'un commence à mal aller. Puis comme je vous dis, c'est pas de former des intervenants, c'est vraiment de prendre cette personne-là, de dire « ça va-tu bien? Il y a des ressources pour toi. » Alors, le mot est passé. Merci, M. Blood, de précision. 1.15, affectation du surplus pour le Centre de coordination des mesures d'urgence de CMU. Considérant que la municipalité a établi son Centre de coordination des mesures d'urgence, CCMU, au camp de la Chicane, considérant que des dépenses doivent être effectuées afin de rendre le CCMU opérationnel, en conséquence, je propose d'affecter un montant maximum de 25 000 $ pour l'aménagement et l'acquisition de matériel au Centre de coordination des mesures d'urgence, de financer cette dépense par une affectation du surplus accumulé. Et je seconde. Merci. On passe maintenant à la section 2, soumission au contrat et règlement. Donc, en 2.1, dépôt d'avis de motion au règlement 1195-20-03, modifiant le règlement 1195-20 sur le lavage des embarcations et accès à certaines portions de terre. Alors, je, Chantal Lachaine, dépose le projet de règlement numéro 1195-20. -03, modifiant le règlement numéro 1195-20 sur le lavage des embarcations et l'accès à certains plans d'eau et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. En fait, ce règlement a pour objet de retirer la notion d'organisme accrédité prévue au règlement et de la remplacer par le terme association. Ceux qui se rappellent, quand on a fait la modification de la réglementation sur les quais, on voulait mandater les OSBL à s'occuper de l'enregistrement des personnes. Ce règlement-là n'étant plus les OSBL, il fallait s'arrimer et modifier ce règlement-là aussi. Donc, c'est la raison pourquoi on va l'amender à la prochaine rencontre. 2.2, dépôt d'avis de motion, modifiant le règlement 1216-22, décrétant de dépenses et un emprunt de 116 400 pour des travaux de pavage. Des travaux de pavage. C'est la 350. Il manque un bout. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1216-22-01, modifiant le règlement 1216-22. Décrétant une dépense et un emprunt de 116 400 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur la 305e avenue et d'un avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Ce projet de règlement a pour but de modifier le montant de l'emprunt du règlement pour un nouveau montant de 130 000 $ suite à l'obtention des prix définitifs pour ces travaux. Donc, on est allé en soumission, les prix ont été plus élevé qu'estimé, donc on ajuste le règlement en fonction des coûts réels qu'on va avoir à dépenser. Et ça, c'est des travaux de pavage de secteur. Là. Merci, M. Allery. 2.3, dépôt d'avis de motion, règlement 1220-22. Décrétant de dépense et un emprunt de 288 000 $ pour l'achat d'un camion 10 roues. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1220-22, décrétant une dépense et un emprunt de 288 000 $ pour l'achat d'un camion 10 roues et d'un avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Comme vous pouvez voir, ça, c'est une dépense qui était déjà projetée là, dans notre PTI et c'est rendu efférent les prix qu'on a déboursés là, à cette heure pour les équipements. Là, C'est très, très onéreux, puis il y a d'équipement, bien entendu, la benne, l'aile de côté, tout ça, là, mais c'est quand même des montants importants. Sans compter, M. Allery, que la disponibilité est très restreinte aussi. Oui, vous avez raison. 2.4, dépôt d'avis de motion, règlement 1222-22,
L'inquiétant de départ, c'est un emprunt de 250 000 $ pour le réaménagement de la descente de bateau. Alors, je dépose le projet de règlement numéro 1222-22, décrétant une dépense et un emprunt de 250 000 $ pour le réaménagement de la descente de bateau et donne avis de motion que ce règlement sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente. Merci, Mme Lachaine. Donc, précision, écoutez, vous savez qu'au niveau de la descente de bateau, on avait des travaux mineurs à faire sur la descente actuelle pour la sécuriser. Il y a du monde qui ont accroché des pieds de moteur l'année passée et on a été contraints de payer certains dommages parce que notre descente était mal organisée. Donc, on fait un réaménagement de la descente actuelle, mais le projet qui est présenté, c'est un réaménagement majeur de la descente de bateau actuelle. Donc, on sait qu'avec l'achat du camp de l'Armée du Salut, on a une plage municipale digne d'une plage publique. Donc, maintenant, on va pouvoir réduire la portion de plage qui est à la descente actuelle pour favoriser une descente de bateau qui va être conforme et qui va éviter tous les problèmes de circulation qui sont vécus à chaque année dû à la configuration de la courbe et au lavage des embarcations. Donc, il y a des réflexions majeures. Et le mois prochain, je vous présenterai les plans de ce réaménagement-là en même temps que le règlement. 2.5, adoption du règlement 993-09-04, modifier le règlement 993-09 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Alors, bonsoir tout le monde. Considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 8 mars dernier, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis à l'adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition de vous, le public, pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 993-0904 tel que présenté. Et je rappelle que c'est le projet de c'est le règlement sur les études hydrogéologiques et je seconde avec grand plaisir. Merci de la précision, M. Plaude. 2.6, adoption du second projet de règlement 1171-19-02, modifiant le règlement de zonage 1171-19. Merci, M. le maire. C'est le projet de règlement qui avait été soumis premièrement à une consultation écrite, puis une consultation publique qui avait eu lieu le 22 mars, si je ne m'abuse. Alors, il y a des modifications qui étaient proposées, qui ont été retirées, certaines qui ont été remodifiées, suite évidemment à la consultation écrite, à la consultation publique. Je vous avoue que j'étais très content de voir autant de citoyens s'exprimer. On est là pour vous écouter. Gênez-vous pas. Et puis, je vous rappelle qu'un projet de règlement, c'est vivant. C'est un éléphant vivant. Ça prend du temps, des fois, avant de le faire changer de direction, mais c'est vivant. Donc, c'est toujours à améliorer dans le temps. Et voilà. Alors, je propose d'adopter le second projet de règlement 1171-1902 sur le zonage, ayant pour objet de modifier le règlement 1171-19. Et je seconde. Merci. 2.7 maintenant. Adoption du règlement 1219-22. Décrétant de dépenses et un emprunt de 250 000 $ pour les travaux de stabilisation de la rive sur la 413e avenue. Alors, considérant que conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 8 mars dernier, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, le mode de financement, le mode de paiement et de remboursement de la dépense, ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption le cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition de vous, le public, pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1219-22 tel que présenté. Et je seconde. Merci. Je rappelle que c'est un montant qui est mis à la disposition pour consolider la 413e avenue qui longe la rivière Pageby, d'où la avenue est rendue très, très restreinte par rapport à la circulation de l'eau. Donc, on a un CA à l'environnement à demander. On a des travaux de stabilisation pour ne pas perdre cette avenue-là par les crues du printemps.
2.8, adoption du règlement 1221-22, décrétant une dépense et un emprunt de 100 000 $ pour les travaux de drainage 2022. Considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le règlement a été précédé du dépôt du projet de règlement et d'un avis de motion donné à la séance du Conseil du 8 mars 2022, considérant que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, la boîte de financement, la boîte de paiement et de remboursement de la dépense, ainsi que les changements apportés entre le projet de règlement déposé et le règlement soumis pour adoption de cas échéant, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 1221-22 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 2.9, octroi de contrat soumission 1006-22 pour la réparation et nouveau pavage dans les limites de municipalité pour les travaux de l'été 2022. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 1006-22 pour la réparation et le nouveau pavage dans les limites de la municipalité de Saint-Hippolyte, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 4 mars 2022, je vais vous faire grâce là, de toutes les je peux les nommer Gilles Lavoie et fils, construction en or, pavage multipro, LEGD, Uniroc Construction et Roxboro. Et plusieurs, il y avait deux types de travaux, type A qui était des travaux de rapiessage et type B qui est des travaux de pavage comme tel. En conséquence, je propose, de considérant le plus bas soumissionnaire conforme, d'octroyer le contrat pour la réparation du nouveau pavage dans les limites de la municipalité pour les travaux de rapiessage, travaux type A à Gilles Lavoie et fils, au montant de 92 322 et 6 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres. D'octroyer le contrat pour les travaux de pavage à la suite de la réfection de certaines routes des travaux de type B, à construction en or, au montant de 1 214 685 et 40 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres, le tout, sous réserve de l'approbation des règlements d'emprunt afférents pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. D'imputer les dépenses des travaux de type A, donc les travaux de rapiessage au poste budgétaire 02-320-00-625, et celles pour les travaux de type B au poste budgétaire désigné par les travaux réalisés, le tout en fonction des postes des budgets disponibles. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.10, octroi de contrat, soumission 1008-22 pour la pulvérisation du pavage existant. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 1008-22 pour la pulvérisation du pavage existant, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes le 14 mars 2022, donc la compagnie Uniroc, Ali Construction, Talon Sébec et construction Sauterre, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'octroyer contrat pour la pulvérisation du pavage existant à Uniroc Construction au montant de 31 406 $ et 28 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt 12-12-21 par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation. D'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux à réaliser, le tout en fonction des postes budgétaires disponibles, et de financer cette dépense par le règlement d'emprunt 1212-21. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci, Monsieur. 2.11. Octroi de contrat soumission 1009-22 pour la fourniture de produits de carrière. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public 1009-22 pour la fourniture de produits de carrière, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu des soumissions suivantes, le 22 mars, Groupe Beauval, Carrière Laurentienne, Livrac Transport Inc., Lafarge Canada, les entreprises KL Mainville, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de produits de carrière à Groupe Beauval, division Sarbelger,
au montant de 181 461,3 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt afférent par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'imputer la dépense au poste budgétaire 22-300-45-721 pour les travaux de drainage, au poste 02-320-00-621 pour les travaux de voirie et au poste budgétaire 22-300-53-721 pour les travaux, pour les grands travaux. Et de financer une partie de cette dépense par le règlement d'emprunt 12-12-21. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.12. Octroi de contrat sous mission 10-10-22 pour la location d'équipement pour les travaux d'excavation. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 10-10-22 pour la location d'équipement avec et sans opérateur pour les travaux divers de voirie. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu des soumissions des entreprises suivantes le 14 mars, Centre de location JM, Équipement Saint-Germain, Transport Terrassement BG, Excavation Corbeil, Transport CGF, Bonsaï Dallaire, les excavations Sergent-Gras, les entreprises des MAC 2011. Considérant les soumissions reçues, les plus bas soumissionnaires conformes. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de soumissionnaires de plus bas. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la location d'équipement pour la réalisation des travaux d'excavation sur le au plus bas soumissionnaire conforme selon le titre d'équipement et en conformité avec les termes et conditions des documents d'appel d'offres. D'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux travaux à réaliser en fonction des budgets alloués. Juste pour votre gouvernement, c'est des soumissions qu'on lance comme ça, fait qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui offrent l'équipement à taux horaire. Dépendamment du genre d'équipement et de leur disponibilité, on choisit, c'est comme une liste de ceux qui nous offrent des équipements. Donc, si le premier, il n'y a pas d'équipement, on passe au deuxième, et ainsi de suite. Ça nous permet à ce moment-là d'avoir toujours de l'équipement à notre disposition, selon des taux horaires qui sont préfixés dans leur soumission. Et je seconde. Merci. 2.13. Vous avez vu qu'on a beaucoup d'octroi de contrat et beaucoup de préparation pour nos travaux d'été. Octroi de contrat soumission 10-17-22, fourniture de ponceaux et accessoires. Considérant que la municipalité procédait à un appel d'offres public numéro 10-17-22 pour la fourniture de ponceaux et d'accessoires, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu les soumissions suivantes, le ciment Lacasse, Saint-Germain-Égout-Aqueduc, EMCO Corporation, Centre Ponceau Courval, Acier Réco 2016, considérant la non-conformité de ciment Lacasse Limité, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture de ponceaux et d'accessoires à Saint-Germain-Égout-Aqueduc au montant de 151 279,51 sous, taxes incluses selon les termes et conditions du document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses au poste budgétaire désigné pour les travaux à réaliser au cours de la saison 2022, le tout en fonction des budgets disponibles et sous réserve de l'approbation des règlements d'emprunt finançant les dites dépenses par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et je seconde. Merci. 2.14. Octroi de contrat soumission 10-20-22 pour l'achat de camions d'îlots. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public numéro 10-20-22 pour l'achat d'un camion 10 roues, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu la seule soumission le 31 mars de Globocam Montréal Inc. au montant de 317 983,3 sous, considérant la seule soumission conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour l'achat d'un camion 10 roues à Globocam Montréal Inc. au montant de 317 983,3 sous, taxes incluses, selon les termes et conditions du document d'appel d'offres et sous réserve de l'approbation du règlement d'emprunt 12-20-22 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et de financer cette dépense par le règlement 12-20-22
ainsi que le poste budgétaire 22-300-0-725. Et je seconde. Merci. 2.15. Achat d'une remorque neuve pour les travaux publics. Considérant les besoins dans le transport de machinerie du service de travaux publics à l'acquisition d'une remorque neuve, considérant que la municipalité a procédé une demande de prix auprès de 3 entreprises, considérant qu'à la suite de cette demande de prix, la municipalité a reçu la seule solution suivante le 17 mars de solution GRB Inc. au montant de 9 500 $. En conséquence, je propose d'entériner l'achat de la remorque effectuée auprès de la solution GRB au montant de 9 500 $, taxes inclus, selon les termes et conditions de la soumission reçue. De financer la dépense par une affectation du surplus accumulé et au poste budgétaire 22-300-0-725. Et je seconde. Merci, M. Allery, pour ce sprint de résolution. On devrait vérifier. Je crois qu'il vient de battre un record municipal d'endurance de lecture consécutive. 2.16. Octroi de contrat. Octroi mandat. Travaux de câblage à l'hôtel de ville. Considérant les travaux de rénovation et d'aménagement des bureaux à l'hôtel de ville, considérant la soumission de CBM informatique pour les travaux de câblage informatique et téléphonique suite à ces rénovations, considérant que la municipalité a prévu les dépenses pour ce projet à son plan triennal d'immobilisation, en conséquence, je propose d'octroyer le mandat pour les travaux de câblage informatique et téléphonique à l'Hôtel de Ville à CBM Informatique pour un montant de 24 743,41 $ et 71 $, taxes incluses, de financer cette dépense par une affectation du surplus accumulé, d'imputer la dépense au poste budgétaire désigné pour les travaux à réaliser. Et je seconde. Merci. 2.17. Octroi de contrat pour une plateforme ADN pour la gestion des vignettes de bateaux et système de gestion d'inscription des activités loisirs. Alors, considérant que le logiciel actuel ne répond pas aux besoins de la municipalité en matière de gestion des vignettes de bateaux, il y a la compagnie ADM Communication qui offre plusieurs avantages, dont le développement d'une plateforme personnalisée pour la municipalité, pour la gestion des vignettes ainsi qu'un système d'alerte, et que la municipalité pourrait également utiliser cette même plateforme dans le cadre des inscriptions aux activités de loisirs et de camp de jour. Alors, je propose d'octroyer le contrat pour le développement de la plateforme gestion des vignettes de bateaux et le système d'inscription aux activités de loisirs et de camp de jour à ADN Communication, au montant de 17 900 $ plus les taxes et les frais annuels, de financer cette dépense par une affectation du surplus accumulé et d'imputer la dépense au poste budgétaire approprié. Et seconde. Merci. 2.18. Dépassement de coût contrat 950-20 pour la surveillance des travaux d'aménagement de l'intersection du chemin de Lac Bleu et du chemin des Hauteurs. Alors, considérant que, suite à un appel d'offres public, la municipalité a octroyé un contrat pour la surveillance des travaux d'aménagement de l'intersection des chemins du lac Bertrand et des Hauteurs, considérant que le contrat actuel démontre un dépassement de coûts en raison de la gestion additionnelle pendant la construction, comprenant les visites de chantier, le suivi des avenants, la communication avec le client, ainsi que les avis de travaux au MTQ pour les fermetures de voies. Considérant que les coûts supplémentaires s'estiment à 36 530 $ et 13 sous, en conséquence, je propose d'approuver l'estimation des coûts supplémentaires pour un montant de 36 530 $ et 13 sous avant taxes, d'autoriser le dépassement de coûts du dit contrat, d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-320-00-971, et de financer la part municipale de cette dépense par une affectation des sommes provenant des redevances des carrières et sablières. Je tiens à préciser que ce n'est pas la totalité de la somme qui est imputée à la municipalité, c'est une entente tripartite, donc c'est seulement que la part de la municipalité qui va être imputée à notre poste budgétaire que j'ai mentionné. Monsieur Condard? Et je seconde.
Excellent. Section 3 maintenant, ressources humaines. 3.1, embauche d'un journalier au service des loisirs, poste syndiqué, temps plein. Considérant les besoins en journalier au service des loisirs, considérant le processus de recrutement et la recommandation du service des ressources humaines pour combler le poste au statut temps plein. En conséquence, je propose d'embaucher M. Vincent Croteau à titre de journalier à compter du 1er juin 2022 au salaire prévu à l'échelon 1 pour ce poste, le tout selon la convention collective en vigueur des cols bleus et blancs et sous réserve de la période de probation et autres vérifications qui pourraient s'avérer nécessaires. Et je seconde. Merci. 3.2 maintenant. Embauche de patrouilleurs pour des postes saisonniers. Considérant que la municipalité assure la sécurité des amateurs de nautisme sur les lacs et de son territoire, et ce depuis l'été 2012 par l'établissement d'une patrouille nautique, considérant qu'en 2020, le volet terrestre a été ajouté au mandat de la patrouille afin d'assurer la surveillance dans les parcs, sentiers et falaises, de même qu'autour des commerces, de la plage et de la descente de bateaux, en plus de s'assurer du respect de la réglementation concernant les locations à court terme, les feux d'artifice et les feux à ciel ouvert. Considérant que 8 postes de patrouilleurs sont disponibles pour la saison 2022, considérant que les patrouilleurs doivent être nommés inspecteurs municipaux pour exercer les fonctions d'agents de l'autorité et de faire respecter les règlements municipaux ainsi que des règlements découlant de la loi 2001 sur la marine marchande du Canada LMMC 2001 applicable à la navigation de plaisance, à savoir partie 10 de la LMMC 2001, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, règlement sur les abordages, règlement sur les bouées privées. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Sarah Maud Lacourcière Josiane Goulet, Maëlle Goulet-Dufort, Malia Bilodeau-Venegas, ainsi que M. Charles-Olivier Doré, Olivier Lemieux, William Morin et Marc-Antoine Despins à titre de patrouilleur pour un nombre d'heures à déterminer et de les nominer à titre d'inspecteurs municipaux aux fins d'application des règlements énumérés ci-dessus pour la saison estivale 2022. D'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier ou la greffière et secrétaire trésorière adjointe à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. 3.3 maintenant. Embauche de chauffeur opérateur et journalier pour syndiquer le numéraire à temps plein. Considérant les besoins grandissants du service des travaux publics en opération et en opérateur et journalier, considérant le processus de recrutement et la recommandation du service des ressources humaines, en conséquence, je propose d'embaucher M. Dominique Blain et M. Martin Vernier à titre de chauffeur opérateur surnuméraire et Mme Vanessa Sagala à titre de journalière, Mme Julie Martin à titre de journalière et M. Vincent Morcrette, à titre de journalier, pour une période approximative de 26 semaines, rétroactivement en date du 2 mai 2022, au salaire prévu à l'échelon numéro 1 pour ce poste, le tout selon la convention collective en vigueur des cols bleus et blancs, et sous réserve de la période de probation et autres vérifications qui pourraient s'avérer nécessaires. Et je seconde. Merci. 3.4 maintenant. Embauche. Une inspectrice en bâtiment pour s'indiquer surnuméraire à temps plein. Alors, considérant les besoins du service de l'environnement en inspecteur en bâtiment, considérant le processus de recrutement et la recommandation du service des ressources humaines pour combler le poste d'inspecteur en bâtiment au statut surnuméraire à temps plein, en conséquence, je propose d'embaucher Mme Rebecca Simard à titre d'inspectrice en bâtiment surnuméraire à compter du 25 avril, au salaire prévu à l'échelon 1 pour ce poste, le tout selon la convention collective en vigueur des cols bleus et blancs et sous réserve de la période de probation et autres vérifications qui pourraient s'avérer nécessaires. Et je seconde.
Si 3.5, donc 3 de mandat pour la formation et l'accompagnement en gestion de la performance. Considérant la planification stratégique réalisée au sein de la municipalité, considérant que la municipalité souhaite être accompagnée pour l'établissement et la communication des objectifs stratégiques afin de mobiliser et impliquer les équipes et passer à l'action de façon structurée et cohérente, considérant qu'une formation des gestionnaires concernant l'élaboration d'objectifs stratégiques et du coaching personnalisé sont nécessaires, en conséquence, je propose d'octroyer le mandat de formation et d'accompagnement à Sismic Impact Incorporé, firme mandatée par le Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, au montant estimé de 16 200 $ plus taxes, selon les termes et conditions de l'offre de service, de financer la dépense par une affectation du surplus accumulé et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-160-00-454. Et je seconde. Merci. On est rendu à la section 4 de travaux publics. Monsieur Allery, à votre tour. D'accord. Au niveau des activités des travaux publics pour le mois de mars, disons qu'on a eu quand même une bonne bordée de neige au mois de mars. Là, il y en a eu deux pour un total de 48 cm. Beaucoup de pluie, 82 mm enregistrés. C'est quand même assez élevé. Au niveau des demandes des raquettes, on a quand même beaucoup de raquettes au niveau des lumières de rue. Malheureusement, j'avais déjà expliqué il y a deux ou trois conseils de ça qu'on avait un problème d'approvisionnement sur les nouveaux luminaires qu'on a convertis au DEL. Ce problème électronique là, à l'interne là, du module, ce qui fait en sorte que là, on est pris à vivre un peu des conséquences. Actuellement, on a pratiquement pas loin de 15 % des luminaires de rue qui sont non fonctionnels. Actuellement, on tente de rattraper le temps en réparant ceux qu'on est capable de réparer parce que le fournisseur ne réussit pas à avoir ses pièces non plus. Donc, on essaie de mettre l'épaule à la roue de notre côté. Alors, on demande aux gens d'être patients. Là, on est tout à fait conscient de la situation, mais malheureusement, on vit avec ça et possiblement, on regarde la possibilité justement que le nombre efférent d'unités non fonctionnelles, c'est pas normal. C'est des équipements qui sont sous-garantis. Donc, on regarde peut-être la possibilité là, d'une avenue légale là, dans ce dossier-là. Au niveau des opérations à venir pour le prochain mois, c'est les opérations de les nids de poules. Ça, il y en a un peu partout. Le nivelage des chemins de gravier. Ça aussi, il faut. La semaine dernière, plutôt il y a une semaine et demie, c'était désastreux. Là, ça avait gelé, ça avait regelé, dégelé. En tout cas, on s'est ramassé avec des nid-poules à travers la glace. Ça fait que ça, c'était l'enfer. Les balayages de rue vont débuter. retour progressif des employés sous-numéraires, ceux qu'on a engagés, qu'on vient de parler tantôt en séance. Il y a toujours la limite de vitesse qu'on demande aux gens de respecter. respecter les zones scolaires aussi, rappeler aux gens les encombrants. Il y a à cette heure, il faut aviser le service au moins à l'avance. Là, pour ceux de la cueillette du 15 avril, vous devez les inscrire 12 heures avant. Donc, il faut vous contacter la municipalité au poste 2242. Peut-être mentionner aussi la fin d'interdiction du stationnement qui prend fin le 15 avril, donc dans quelques jours. Alors, c'est le grand résumé là, du rapport des travaux publics que je dépose. Consultation, M. le maire. Merci, M. Chaudhary. Section 5, urbanisme. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'urbanisme. Merci, M. le maire. Et encore une fois, bravo à mon collègue, M. Allary, qui est rendu à 30 minutes là, de discussion ce mois-ci. Donc, je t'en donne deux. Pardon? Je t'en donne deux. Donc, vous voyez le rapport mensuel au niveau de l'urbanisme. Je vous laisse apprécier les statistiques qui sont là. Je ne ferai que remarquer que
si on regarde 2021-2022, on est grosso modo dans la même courbe que l'année dernière, qui, je le rappelle, avait été une année record pour l'émission de permis et de construction neuve. Donc, on est pour l'instant un peu sur la même courbe. La deuxième diapositive, c'est au niveau des plaintes et requêtes. On est plus chanceux qu'aux travaux publics, on en reçoit moins. On voit que pour le mois de mars, il y en a trois qui sont rentrés et une de réglée. Comme j'expliquais un peu le mois dernier, c'est pas nécessairement parce qu'on prend du retard. Quand il y a une plainte qui est faite ou une requête au niveau de l'urbanisme, il y a des vérifications qui doivent être faites, souvent sur le terrain et tout. Fait que c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps. Donc, pas beaucoup de demandes et pas beaucoup de plaintes et de requêtes. Tout va bien. Je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci, M. Claude. Et donc, pour les points 5.2 à 5.6, M. Claude va les expliquer sur un à la suite de l'autre et on va tous les adopter ensemble. Ce sont des demandes de PIA, en fait, des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je rappelle vite, c'est ça, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un plan qu'une municipalité se donne. À Saint-Hippolyte, on en a trois. On en a un qui touche les maisons qui sont autour des lacs. On en a un qui touche les maisons qui sont visibles en hauteur, donc en construction montagneuse. Puis on en a un qui vise l'affichage commercial. Puis contrairement aux règlements d'urbanisme, qui sont très normatifs, c'est 5 mètres, 2 mètres, les PIA sont plus du côté esthétique. Donc, les gens qui vivent autour des lacs, ont des maisons en montagne, doivent soumettre au comité consultatif en urbanisme leur projet sous le PIA. Et puis, celui-ci est approuvé. L'idée derrière ça, c'est d'essayer de maintenir une certaine homogénéité sur le territoire et puis de s'assurer qu'on ne se ramasse pas avec des maisons arc-en-ciel multicolores, avec des petits pois mauves et des licornes. Quoique mes filles seraient très heureuses si les maisons étaient comme ça. Comme disait M. le maire, on a 5 PIA ce mois-ci, fait que un peu comme le mois dernier, je vais vous les décrire assez brièvement, puis à la fin, je proposerai qu'on les adopte. Le premier pour un agrandissement au 771 chemin de Kilkenny, donc une maison qui est sur le bord du lac. Si vous regardez la photo en bas à droite, on voit qu'en ce moment, il y a une espèce de galerie avec un garde-corps en verre. Donc, grosso modo, le citoyen veut agrandir sa maison jusqu'à ce garde-corps-là. En CCU, bien, on a considéré que du fait qu'elle allait utiliser des matériaux similaires, c'est-à-dire du cèdre, et que l'impact visuel serait très minime, donc le CCU a recommandé d'accepter. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Mais juste avant, est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a des précisions à apporter par rapport au pays, à ce pays-là, non? Gênez-vous pas si vous avez des questions, précisions, suggestions? On pour le deuxième, au 670 chemin de Kilkenny, on parle d'une construction neuve sur un terrain qui est comme en deuxième couronne, donc bord de lac, mais l'autre côté de la rue. Terrain qui est vacant en ce moment, terrain vierge. OK, excusez, c'est dans le corridor, j'entends. On voit les modélisations 3D. La seule petite précision que je vous amènerai, c'est que la maison ne sera pas noire, mais bien grise. C'est un genre de gris foncé charcoal. Mais c'est pas noir comme sur l'image. Donc, encore une fois, au niveau du comité consultatif en urbanisme, il a été suggéré d'adopter ce projet-là. Questions, commentaires? Ça va permettre à Mathieu de prendre une gorgée d'eau. Ben oui, puis moi de prendre une gorgée d'eau. Le troisième, puis comme vous voyez, les PIA, hein, ça touche tout ce qui est rénovation, tout ce qui est construction, tout ce qui est esthétique dans le fond, tout ce qui change le look d'une maison. Dans ce cas-ci, c'est une rénovation qu'on pourrait considérer quand même relativement majeure, dans le sens que ça va changer beaucoup le look de la maison. Vous avez au centre la maison actuelle et à droite des modélisations 3D du look projeté. Celle-ci est au 1201 chemin du lac Conley. On peut tourner la page. 86 rue Desjardins. Encore ici, refaire le revêtement extérieur. Je ne me trompe pas aussi, il y avait la toiture qui serait refaite et puis les fenêtres qui vont être changées. Bref, au centre, vous avez la maison actuelle et à droite, le citoyen. Vous voyez, quand on fait des demandes à la municipalité, pas besoin de gros plans 3D. Là, ça, c'est probablement le citoyen qui a pris une photo puis qui a mis des couleurs juste pour donner une idée du look. Donc, encore une fois, au niveau du CCU, il a été recommandé d'approuver. Et si je ne me trompe pas, ce serait la dernière. Il y en a un autre après. Il y en a un autre après. Il y en a un autre après.
C'est la dernière. Au 41 rue Desjardins, encore là, considéré riverain, mais en deuxième courant, d'où le fait qu'il est soumis au PIA des maisons autour des lacs. Rénovation, refaire le revêtement extérieur. Dans ce cas-ci, vous voyez, bon, le citoyen est arrivé en disant qu'il voulait mettre un revêtement blanc. Le CCU a approuvé en recommandant que ce soit un genre de blanc cassé plutôt qu'un blanc franc. C'est une des couleurs qu'on essaie de ne pas trop avoir à Saint-Hippolyte, là, le blanc très, très, très franc, blanc, 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 parce que ça réfléchit beaucoup la lumière. Fait que souvent, on va recommander un blanc, blanc à crème, blanc cassé. Alors, encore une fois, le CCU a recommandé d'approuver. C'était le dernier? Oui. Sous approbation. Merci, monsieur. On est rendu au 5.7, excusez. Demande de dérogation mineure 2022-0011 pour un lot 2 532 699 situé sur la rue du Rocher. Comme je vous l'expliquais, là, on est vraiment en dérogation mineure. Fait que là, on est dans le normatif. C'est parce qu'il y a vraiment un chiffre à quelque part qui ne marche pas avec la réglementation. Je vous épargne la lecture au grand complet. Je vais vous l'expliquer. À droite, excusez-moi, je vais regarder à l'autre droite, à ma gauche. Vous voyez les numéros 1 et 2. Donc, le citoyen veut prendre un grand terrain et le sectionner en deux. Donc, terrain 1, terrain 2. Puis, en ce moment, toujours dans le plan à votre droite, je vais essayer de vous le montrer à l'écran, il y a comme un petit rectangle. Donc, faire l'histoire courte, le petit rectangle que je viens de vous montrer et le reste du grand terrain, en ce moment, vont être fusionnés ensemble pour après ça être coupés en deux terrains presque par égal. Où la chose est dérogatoire, c'est qu'à votre gauche, le nouveau terrain qui a le chiffre numéro 1, merci, vous suivez, c'était un test, qui a le chiffre numéro 1, qui est adjacent à la rue du Rocher, en principe, devrait avoir 50 mètres de frontage sur la rue. Et puis, il se retrouve avec... 38. Là, je vais aller. 38.68. Là, c'est plus vous autres qui suivez, c'est moi qui ai perdu, c'est ça? C'est un quiz. Donc, il y a 38.62 mètres au lieu d'avoir 50 mètres de frontage. D'où la demande de dérogation mineure, parce que s'il n'y a pas de dérogation mineure, bien, le terrain est un peu inutilisable. Donc, encore dans ce cas-ci, le comité consultatif en urbanisme a proposé qu'on accepte la demande de dérogation mineure. Donc, je propose au conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Pour... Oui, une question de monsieur. Je vais vous avouer que j'ai souvent eu exactement la même inquiétude que vous. La question qui a été posée, c'est pourquoi 50 mètres? Il n'y a pas de raison scientifique derrière le 50 mètres. Il fut une époque où les terrains, c'était 60 pieds de large, parce que 60, c'est un beau chiffre. Puis c'est devenu 100 pieds, puis c'est devenu 50 mètres. Donc, dans le cas où on est à 38, presque 40 mètres au lieu de 50, c'est quand même dans un barème acceptable, si vous voulez. Si c'était une dérogation mineure pour 10 mètres, 12 mètres, 5 mètres de frontage, ça pourrait ne pas avoir de sens. Je rappelle le principe d'une dérogation mineure, c'est que de ne pas l'accepter, ça va causer un préjudice au citoyen qui ne pourra pas développer son terrain. Et ça ne cause aucun préjudice à ses voisins aux alentours. Donc, le principe de dérogation mineure est là. Le fait que le 50 mètres soit la balise, c'est que pour les nouveaux terrains à être subdivisés, on demande un frontage sur rue de 50 mètres. Et s'il y a possibilité de le faire, c'est 50 mètres. Là, on parle de rues existantes avec des terrains qui ont été subdivisés de la belle murette et que les citoyens sont en train de réorganiser pour pouvoir au moins bâtir une maison pour eux autres, pour leur famille. Donc, c'est dans le principe de la dérogation mineure. C'est bon? Merci. J'avais-tu un secondaire, oui? J'ai même pas proposé encore, je pense. Je vous laisse, M. Boulogne. Alors, je propose que quelqu'un me seconde pour approuver la demande de dérogation mineure pour le lot au... excusez-moi, c'est bien le 669 rue du Rocher. Non, excusez, c'est le lot 2 532 669 sur la rue du Rocher. Et je seconde. Merci. 5.8, demande d'usage conditionnel
2022-0009 au 35 112e avenue. On va parler des demandes d'usage conditionnel. C'est pour des gens dans des secteurs qui sont bien spécifiques dans la réglementation de Saint-Hippolyte, dont une partie du chemin du lac Conelé, où est situé le résident qui fait la présente demande. C'est pour pouvoir exercer des fonctions, mais des activités qui ne font pas partie des usages de sa grille de zonage. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui ça fait quand même longtemps qui est propriétaire d'une pelle mécanique et qui fait des travaux d'excavation, terrassement et de déneigement. Donc, il a fait la demande pour régulariser sa situation. C'est le genre de projet, si vous voulez, qui est soumis au CCU. Le CCU a suggéré qu'on approuve. Et j'en profite aussi pour ouvrir une parenthèse. Depuis quelques mois maintenant, de façon systématique, quand il y a des demandes d'usage conditionnel comme ça, ou des demandes de dérogation mineure, qu'on croit que le moindrement pourrait porter préjudice à quelqu'un dans l'entourage, avant c'était juste affiché sur le site web ou affiché dans un journal. Maintenant, il y a quelqu'un de la municipalité qui va cogner à la porte du voisin, remettre en personne la demande de dérogation mineure, puis s'il n'y a personne, ben, il la laisse à la porte. C'est à la demande d'un des membres du CCU qui revenait systématiquement avec « on devrait aviser les voisins, on devrait aviser les voisins ». Donc, on a décidé de le… C'est pas dans la réglementation, mais c'est rentré dans les bonnes politiques, les politiques, oui, internes du département d'urbanisme. Deuxième chose aussi qu'on fait pour les usages conditionnels, c'est qu'avant, l'usage conditionnel était attribué à une adresse. Donc, monsieur ici qui a un usage conditionnel pour excavation, déneigement, s'il vend sa maison, l'usage conditionnel suivait la maison. Maintenant, l'usage conditionnel est délivré pour la personne qui exerce cette fonction-là. Je vous donne un autre exemple. Quelqu'un qui a un salon de coiffeur à la maison demande un usage conditionnel, on lui accorde. Si la personne vend la maison, elle ne vend pas un salon de coiffeur. Le nouveau propriétaire, s'il veut continuer ces opérations-là, doit refaire une demande d'usage conditionnel. Les raisons pour ça, c'était pour ne pas commencer à avoir des petits commerces qui poussent un peu partout et que des fonds de commerce commencent à se vendre dans des secteurs résidentiels. Bref, j'ai digressé un peu. On a une question. Il y avait autrefois lié à ce règlement-là des conditions précises de mise en œuvre. Oui, ce qu'on voit, est-ce que c'est toujours en vigueur? Oui. Oui. Le règlement n'a pas été changé. Fait que oui, je ne pourrais pas vous dire quel est le chiffre, puis si c'est vraiment chiffré en décibels, mais je sais que justement, c'est qu'il ne faut pas que ça nuise au voisinage, il ne faut pas que ça crée un va-et-vient démesuré. Il y a vraiment des normes à respecter. Puis dans ce cas-ci, encore, comme je vous disais, les citoyens environnants étaient avisés, et puis ça semble être correct pour l'usage demandé. Là. Il y a aussi. Je prends en note, je vais vérifier voir si c'est vraiment chiffré. J'ai vu la question dans le fond. Excusez-moi, juste pour les prochaines questions, on vous inviterait à aller au micro pour que ça soit entendu sur l'ensemble. Non, juste pour venir au micro, parce qu'en ligne, ceux qui nous suivent en direct n'ont pas les commentaires que vous faites. On vous entend, c'est okay. Parfait. Parfait. Donc, M. Plourde, moi, je suis urbaniste de profession. Je suis ici avec ma famille concernant les voisins, justement. Donc, je les ai assistés là, pour bien comprendre la réglementation. Puis, je tiens à féliciter les membres du conseil. Je trouve que vous maîtrisez vraiment bien les dossiers en urbanisme. C'est impressionnant. Merci. De voir le résumé que vous faites. Sincèrement, vous les maîtrisez très bien. Ceci étant dit, j'ai des questionnements là, concernant les usages conditionnels.
Comme vous le savez, en fait, c'est un règlement qui vous permet d'émettre des conditions pour justement atténuer les nuisances qui pourraient être exercées sur les propriétaires voisins. Il y en a certaines conditions qui sont déjà énoncées dans le règlement sur les usages conditionnels, mais vous, en tant que conseil municipal, vous pouvez également émettre d'autres conditions d'exercice afin d'atténuer justement ces nuisances-là. La question qu'on se pose à ce moment-ci, c'est est-ce que vous avez prévu des conditions d'exercice qui sont de nature à atténuer les nuisances qui pourraient être perçues par les propriétés voisines? Puis dans l'affirmative, quelles sont ces mesures-là que vous avez prévues? Je sais d'ailleurs, là, juste pour faire un petit aparté à ce sujet-là, que vous avez reporté à l'autre jour, là, au moment de la dernière séance du Conseil, votre décision puis votre pouvoir discrétionnaire de ce soir. Fait que pour être plus exact, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez ajouté des conditions d'exercice par rapport à ce qui était prévu au moment là, de la dernière séance du Conseil? C'est très drôle que vous me posiez la question parce que ce que j'allais dire tantôt, c'est juste avant de répondre à la question, je vais ajouter un dernier point qui est qu'on a autorisé l'usage, mais excusez, je veux chercher, parce qu'on a limité à une seule pelle, si je me souviens bien, et une seule remorque. J'y vais de mémoire. C'est ça. Par contre, donc c'est la demande d'usage conditionnel pour entreprise de services reliées au déneigement, à l'excavation et aux travaux de paysagement. Par contre, cette acceptation est conditionnelle au stationnement d'au maximum une mini-excavatrice avec la remorque nécessaire à son déplacement sur l'immeuble et à ce que l'usage soit accordé, soit exercé par M. Yves-Sylvain, le propriétaire. Oui, ça c'est très bien. Donc c'est une seule pelle, puis on limite au fait que c'est justement si M. Yves-Sylvain, à un moment donné, bien, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut acheter parce qu'il y a un garage le fun puis qui veut s'installer avec ses pépines, il faut qu'il refasse une demande d'usage conditionnel. Oui, tout à fait. Par contre, quand on lit le libellé, je m'excuse, c'est pas très clair là, quand on est plus loin, là, mais vous proposez là, d'accepter deux usages supplémentaires, là, donc une entreprise de service qui est probablement liée justement à la mini-pelle. Puis la question des petits moteurs. Non, excusez-moi, c'est juste que c'est la demande initiale qui est exposée ici. Je vais vous expliquer la situation. C'est sûr que le mot passé, effectivement, on a reporté la demande parce qu'il y avait une demande d'usage conditionnel et on parlait de réparation d'équipement, d'un général. On a toujours parlé de bonne foi que c'était plus la réparation d'équipement avant de forer plus creux, voir que c'est de la réparation des petits moteurs. Fait que quelque part, on a regardé au niveau de la réglementation et on n'a pas le choix, c'est un usage ou l'autre usage. Donc, on a donné le choix au propriétaire de dire laquelle des deux tu choisis. Donc, il a régularisé cette situation d'usage pour excavatrice et équipement de déneigement. OK, excusez-moi, j'avais bien compris votre réponse. Donc, ce que vous dites, c'est que le propriétaire a fait le choix à ce moment-là de retirer le deuxième usage qui était la réparation. C'est ça. Parce qu'il ne peut pas avoir deux usages de ce type-là. Puis comme ça fait déjà là, une dizaine d'années, une quinzaine d'années que monsieur a sa mini-pelle, puis que ça fait 10-15 ans que ça va bien, c'est l'usage qu'il a décidé de conserver. Parce qu'on s'entend qu'il aurait pu continuer son opération sans demander l'usage conditionnel par droits acquis, il pouvait l'avoir. Mais en demandant sa deuxième, ça devenait compatible. Donc on a régularisé une situation. OK, bon, c'était mon questionnement. Merci. Merci à vous. Profitez-en, c'est rare qu'on permet des questions pendant l'Assemblée. Donc, si on a d'autres questions, on procède à la proposition? Ben, je propose d'accepter la demande d'usage conditionnel du dossier que je viens de vous présenter. Et je seconde. Merci. Merci. Point numéro 6, environnement. Donc, 6.1, dépôt du rapport mensuel du service de l'environnement. Donc, rebonsoir. En environnement, ce mois-ci, vous le savez, là, on en a parlé un petit peu plus tôt, on parle d'eau, de la protection de l'eau sur le territoire. On parle du projet d'études hydrogéologiques en lien avec les quand même nombreux développements qu'il y a sur le territoire. Donc, les gens du service de l'environnement, du service de l'urbanisme, la municipalité en général, et nous-mêmes commençons à avoir des inquiétudes là, en lien avec la disponibilité de l'eau souterraine.
autant pour les nouvelles personnes qui viendront habiter ici que pour celles qui habitent déjà ici, qui pourraient voir leur eau réduire en capacité ou disparaître. Donc, c'est ce qu'on est venu essayer de mesurer puis d'encadrer. Donc, on essaie d'éviter ce qui se passe, ce qui s'est passé à Saint-Lin sur l'automne passé ou l'automne d'avant. Ça se passe à Saint-Rémy sur la Montérégie, en Montérégie aussi. Et on avait déjà, avant le projet d'études hydrogéologiques, on avait un partenariat avec l'Université de Montréal depuis 2016. C'est une assez longue étude en trois phases qui va vraiment nous permettre de mieux connaître où est l'eau sur le territoire, comment elle se comporte l'eau sur notre territoire, parce qu'au-delà de l'eau qui tombe quand il pleut, l'eau qui est sous terre, bien, c'est un petit peu plus difficile. Il y a peu d'informations, honnêtement, là, au Québec. C'est comme si on avait eu l'impression qu'on aurait de l'eau, des lacs et des forêts pour toujours. Puis là, bien, avec les problèmes qui commencent à poindre à gauche, à droite, bien, on essaie de s'en préoccuper puis d'éviter que ça se dégrade. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai l'air lente, mais c'est parce que je regarde le live Facebook en même temps, puis je me rends compte qu'il y a un délai. Fait que la diapositive avait changé, mais pas là. Excusez-moi. Donc, l'eau sur Terre, évidemment, on a longtemps pensé qu'on avait des ressources illimitées, mais non, l'eau douce est une ressource très limitée. On a, il me semble de mémoire, c'est-tu 3% de l'eau douce de la planète ou quelque chose comme ça au Québec? Enfin, on en a beaucoup. Et l'eau souterraine, bien que beaucoup plus abondante que l'eau de surface, demeure aussi une ressource qui est limitée et dont il faut prendre soin. Donc, bon, l'eau douce, l'eau souterraine, le pergélisol, les glaciers, les lacs, les rivières, les milieux humides permanents ou temporaires, ça vous donne un petit peu une idée de où on peut prendre notre eau douce, mais il faut quand même se préoccuper de la quantité puis de la qualité pour pas que cette eau-là devienne non potable. C'est pas évident quand on sait pas exactement la qualité de l'eau qu'il y a sous terre. Vous voyez ici, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont venus à la consultation publique la semaine passée, le biologiste de la municipalité, Sébastien, avait à peu près la même diapositive. C'est assez intéressant, il y a des poches d'eau là, sous terre qu'on appelle des aquifères et dépendamment du type de sol, cette eau-là peut être isolée, ce qu'on appellera à ce moment-là un aquitaire. Puis, si, mettons, quelqu'un a son puits creusé dans un aquifère, bien, il y aura de l'eau, mais cette eau-là ne se rechargera pas parce que la zone est isolée. Elle peut être isolée soit par de la glaise ou, c'est pas le cas ici, ici, c'est plutôt au niveau de la sorte de roche qu'on a. C'est comme si on avait de la trop belle roche. Elle n'est pas beaucoup fracturée, la roche à Saint-Hippolyte, ce qui fait que les différentes poches d'eau ne communiquent pas tant que ça entre elles. Et c'est d'autant plus important dans ces cas-là de faire attention à où est-ce qu'on creuse des puits puis où est-ce qu'on développe pour s'assurer, toujours, là, je le dis, je le répète, que les gens puissent avoir accès à l'eau dans la durée et dans sa qualité également. Selon les sols, bien, les zones de recharge d'eau peuvent être à risque de très faible à très élevé de contamination selon que l'eau circule peu ou pas et selon ce qu'il y a autour. Quand on vient parler des sédiments, des bassins versants, de ce qu'on jette dans nos fosses septiques, champs d'épuration, bon, tu sais, tout ça, même si ça a l'air séparé, en réalité, c'est connecté. Donc, plus on va y faire attention, bien, plus on va pouvoir habiter ici longtemps. Ensuite de ça, vous avez ce qui arrive avec l'eau, dans le fond, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il pleut. Là, jusque-là, ça va bien, puis ça fait des flaques d'eau, puis ça fait des lacs. Bon, mais cette eau-là va éventuellement soit être évaporée par transpiration des végétaux ou se retrouver sous terre, puis selon que le sol soit granulaire, où l'eau pourrait descendre assez rapidement dans les zones de recharge, ou si le sol ne l'est pas, comme ici, beaucoup de rocs,
Bien, ça va avoir un effet sur la rapidité avec laquelle vous allez retrouver votre eau si jamais il y a une période de sécheresse puis que les réserves d'eau souterraines deviennent très, très basses. Il y avait autre chose que je voulais vous dire. Là, j'ai un blanc de mémoire. Fait que je ne vous le dirai pas, à moins que ça me revienne tantôt. Donc, le service de l'environnement, bien, c'est là-dessus qu'il travaille présentement. On espère être capable, avec l'étude hydrogéologique et l'étude de l'Université de Montréal, un petit peu d'empiler toutes ces données-là, parce qu'il y a très, très peu de données sur l'eau, vraiment, dans la province de Québec. Puis, on va être à date, en tout cas, parmi les municipalités qui ont le plus d'informations. Donc, ça va vraiment nous permettre de protéger notre eau. Puis, je viens de me rappeler de ce que je voulais vous dire. Avec les changements climatiques maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il pleut très fort. Puis, quand il pleut très fort, l'eau n'a absolument aucune chance de rentrer dans le sol puis d'aller recharger les aquifères. Et donc, l'eau va plutôt ruisseler. Puis, bon, ben là, en ruisselant, elle transporte des polluants qui se ramassent dans nos lacs, etc., etc. Donc, raison de plus pour vraiment faire attention à nos zones de recharge d'eau. Notre petit ami le raton laveur. Je voulais vous reparler un petit peu des bacs bruns. Il y a évidemment beaucoup de questions. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent la radio. Là, aujourd'hui, à la radio, c'était au 98.5, pour ne pas le nommer, c'était la journée de la gestion des matières résiduelles, parce qu'on est un petit peu précurseur, mais il y a d'autres municipalités qui vont modifier les fréquences de collecte des bacs noir, bleu, brun, vert, là, bon, selon les municipalités. Et celles qui n'ont toujours pas le bac brun vont l'ajouter. Donc, bref, c'est quelque chose qui se parle. Ce n'est pas une façon de faire qui va reculer dans le temps. Là. On va pas mal rester avec ce type de collecte-là. Et au niveau du bac brun, j'ai quand même entendu à quelques reprises, puis j'avais demandé au service de l'environnement si eux aussi recevaient des appels là-dessus, puis effectivement, oui. Surtout nos petits amis, là, les ratons, les écureuils, les ours, nommez-les toutes, là, qui ont le goût d'aller jouer dans nos bacs bruns. Et Mme Simard, la directrice de l'environnement, m'a gentiment suggéré quelques trucs qui sont ici. Celui qui apparemment fonctionne très bien, c'est le Vix. Si vous beurrez votre bac tout le tour de Vix, c'est une odeur très forte, puis les animaux sentent beaucoup mieux que nous. C'est répulsif. Bon, évidemment, entretenez vos bacs, lavez vos bacs. L'hiver, comme l'été, toujours, si vous avez de la place dans un vieux congélateur, congelez vos résidus. Puis si vous les mettez dans le bac brun au matin de la collecte, avant 7 heures ou la veille, bien, ça va vous éviter énormément de problèmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Je pense que c'est tout. Ben oui, c'est tout. De toute façon, vous le savez, les diapositives sont disponibles sur le site, si vous voulez aller relire après. Et finalement, on va finir en beauté avec les bouts de nos fosses septiques. Donc, les déchets solides qui sont dans notre fosse septique puis qui sont pompés là, quand ils viennent nous vider ça. Ça revient un petit peu avec l'eau à l'importance de ce qu'on envoie là-dedans, parce que ça, c'est revalorisé. Nous, on a la chance d'avoir une citerne qui sert seulement au bout des gens de Saint-Hippolyte. Et comme nous sommes des gens merveilleux, bien, nos bouts sont fantastiques. Et se retrouvent dans 3 sites différents où elles sont revalorisées, hein, comme le compost qu'on achète au Centre Jardin, là, quand ça vient des poules puis des moutons, on trouve ça le fun. Bien, ça, c'est notre compost à nous. Mais je voulais juste qu'on puisse vous dire, là, c'est quand même quelque chose sur lequel le service de l'environnement travaille pour s'assurer que c'est revalorisé, ces bouts-là, puis que les contrats pour lesquels nous payons tous avec nos taxes, mais font leur travail et le font correctement. Mon petit truc du mois, vous allez me trouver quétaine, parce que c'est dit à toutes les années, mais je vais quand même vous le dire. Arrachez pas vos pissenlits, c'est les premières fleurs pour les abeilles. Puis il y a un aliment sur 3 qu'on mange qui a besoin des abeilles pour être reproduit. Là, je ne peux pas vous dire lesquels, mais je pense qu'on ne voudrait pas les perdre. Donc, faites-vous croire que c'est beau, là, le champ de pissenlit. Quand il y en a beaucoup, ça peut être quand même lumineux. Et, Monsieur le maire, je dépose ce rapport pour consultation. Merci, Mme Tremblay, pour ce rapport très animé. Écoutez, juste... Ça vient avec la personne, Monsieur le maire. Juste dans le but de respecter notre auditoire en ligne, on se doit de prendre une pause de 2 minutes, le temps de repartir un enregistrement, parce que sur Facebook Live, nos limites sont d'1 heure et demie.
On va prendre une pause de 2 minutes et on reprend tout de suite après. Merci tout le monde. Toute une équipe.